Salut à tous les amis, ici Richard Chouard, ravi de vous retrouver pour le test de l'Arena 2002 chez Donner. J'espère que vous voyez bien le multi-effet. Voilà, donc on va tester ce multi-effet et voir un petit peu les spécificités. Vous avez pu l'entendre dans le petit morceau que je me suis amusé à faire avec, cette Arena 2000. Voilà, on va détailler les spécificités. On va regarder un petit peu tout ce qu'il y a comme connectique là-dedans, comment ça se pilote, etc. Je vais vous détailler un petit peu tout ça dans la vidéo qui va suivre. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans le test de l'Arena 2000 de chez Donner. Nous allons voir ici un petit peu les fonctionnalités de la machine et puis voir comment vous pouvez paramétrer rapidement et puis à quoi servent les différentes choses que vous avez sous les yeux. Donc, je vais commencer par allumer la bécane, tout simplement. Voilà. Et puis, on va regarder rapidement comment tout ça, ça fonctionne. Alors, vous voyez que vous avez une vue globale sur l'écran qui vous donne, en fait, quand vous allumez là, le premier son. Et puis, vous pouvez observer que vous avez un chaînage complet qui est indiqué sur l'écran. De ce que vous allez avoir dans le son qui est programmé. Ici, c'est les sons d'usine. Et puis, bien sûr, vous allez pouvoir programmer vos propres sons et chaînages à vous. On aura des indications en plus tout en bas et en haut de l'écran. Là, je n'ai pas branché la guitare, mais vous pouvez voir en haut à droite de l'écran, on est in et out, donc en fonction de... Quand vous branchez la guitare et puis que vous jouez, vous allez voir qu'il y a de la vie sur in pour vous dire que vous êtes en entrée, et puis qu'en entrée il y a quelque chose, et puis pareil en sortie pour vous dire que vous envoyez quelque chose quelque part. Donc ça peut être un ampli, à une table de mix, voilà, ou directement dans votre carte son. Il y a plusieurs possibilités. Donc globalement, ici par exemple, si j'ai ce premier. Cette première banque de sons, ce premier chaînage. Si je veux changer des choses, par exemple, tout simplement, si je veux changer d'ampli, donc là, je vais appuyer sur Amp. Vous voyez, en fait, ce qui est allumé, c'est les différents éléments qu'on a dans ce son. Donc, par exemple, un ampli, câble, les enceintes et puis une réverb. C'est tout ce qu'on a. OK. Si, admettons, je veux changer d'ampli, donc j'appuie un peu plus fort sur Amp. Voilà. Donc là, ça me donne le type d'ampli qui est utilisé. Ensuite, ici avec la molette, je vais pouvoir faire défiler différents types d'ampli. Voilà, il y en a vraiment plusieurs dizaines. Ok. Une fois que j'ai sélectionné le type d'ampli, par exemple, alors au passage, hein, avant de le valider, vous avez les potentiomètres en dessous et qui vont pouvoir, avec lesquels vous allez pouvoir agir, par exemple ici sur le gain, pour baisser le gain ou pour, par exemple, monter les médiums, etc. Donc les potards sont un peu serrés, par contre là j'ai les doigts qui touchent, on va dire, au potard d'après. Imaginons que vous êtes content de vous, voilà. Ici du coup j'ai sélectionné mon ampli et je peux revenir hop au chaînage de base. Alors ici je vais faire pareil en revenant différemment. Si j'appuie sur câble et que je veux changer mon câble ici, après j'ai aussi normalement la flèche return ici pour me dire que je peux revenir en arrière. Ok. Si je veux rajouter un drive en entrée, pareil, je vais pouvoir choisir dans différents drives. J'en ai une vingtaine. Voilà, c'est ça. Pareil, je peux régler, affiner ici. Ressortir. Alors là, je l'ai enlevé. Vous voyez, il est plus actif. Là, il est actif. Je reviens et dans mon chaînage, on voit que le drive apparaît sur l'écran. Donc, pour chaque fonction, vous allez pouvoir agir comme ça, rajouter ou enlever des choses. Dernier truc, hein, pourquoi pas un equal. Là, vous allez pouvoir choisir 3 bandes, 10 bandes, etc. Ce que vous voulez. OK, toujours pareil. Je reviens en arrière et mon equal est maintenant dans le chaînage. Donc, pour chaque type de son, vous allez pouvoir paramétrer comme ceci. Bien sûr, vous pourrez paramétrer également via les applis ou via l'ordinateur.
En appuyant ici, tout simplement, bah, je vais changer de son. Okay, vous pouvez voir que ça s'allume selon où je suis et ça change le numéro. Donc, c'est à chaque fois A, B ou C. Il y a trois sons là par banque. Et après, si je veux changer, j'appuie sur les deux en même temps. Je tiens parce que là, ça va bouger. Hop, et là, j'ai changé de. Ah, j'ai descendu, je n'ai pas monté. Donc là, je suis. Par exemple, je remonte, j'ai 0,1A, 0,1B, 0,1C, 0,2A, 0,2B, 0,2C. Si je veux le B, j'appuie sur le B et puis là, j'ai le 0,2B. OK, vous me suivez. Après, donc, ce que je vous ai dit pour chaque élément, pareil. Là, on a l'output, c'est le niveau général de la sortie. Là, on va avoir l'output au niveau de l'XLR. Ça va être la sortie jack, ça va être le volume de XLR. J'ai touché, c'est assez sensible. Ici, je vais revenir en arrière, peu importe. Vous avez l'output le volume du casque. Alors ensuite, vous allez pouvoir aller un petit peu par là. Par exemple, si je fais drum, vous allez avoir différents sons de boîte à rythme. Ok, pareil, des différents styles, rock, blues, pop, etc. Il y a des tempos prédéfinis et un niveau, mais vous pouvez très bien changer le tempo, vous aimez bien le style, vous changez le tempo et vous pouvez aussi monter ou descendre le volume de la boucle. Vous allez pouvoir avoir par exemple le looper qui va vous permettre d'enregistrer, bien entendu, accordeur. En sortie, par exemple, vous allez pouvoir choisir, pardon, si vous sortez, si vous allez dans un ampli ou si vous utilisez la sortie XLR, par exemple, pour vous brancher sur votre carte son, et en fonction, donc vous choisissez voilà l'un ou l'autre, et vous choisissez de l'activer ou de le désactiver. Ok, store par exemple, vous allez pouvoir nommer le son que vous venez de créer. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Système, ça va nous permettre aussi de définir différentes choses. Tout simplement, à chaque fois, ça va être le niveau d'entrée, par exemple, vous appuyez ici et puis vous réglez votre niveau d'entrée. Je reviens en arrière. Si je veux aller voir par exemple l'écran, ça va être la luminosité. Hop, voilà, je peux régler. C'est pas là. C'est lequel? C'est lequel? Ah ben non, c'est celui-ci, pardon. Voilà, je règle aussi la luminosité avec ça. Je reviens en arrière ou je fais un home. Voilà, ou je peux revenir. J'étais sur système. Il y a différentes choses pour le Bluetooth, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La pédale d'expression, bien entendu. Voilà. En gros, comment dire, la manipulation ne va pas être beaucoup plus compliquée que ça. Donc, ça se fait plus ou moins plutôt bien. C'est assez intuitif. Et puis, ça répond plutôt bien. Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment paramétrer un son. Là, je suis sur le preset 24A. C'est le preset dont je me suis servi pour faire la petite démo que vous avez entendue en intro du test. Et du coup, ben on va voir comment on peut modifier des choses par rapport à ça. Ok, donc de base, on a un truc comme ça. Ok, donc là, je vais enlever les effets déjà. Et puis là, on va voir comment on peut modifier ce son. Alors, par exemple, déjà en rentrant dans le paramètre de cab. À chaque fois, là par exemple, je peux changer de micro. Vous connaissez le principe hein, maintenant, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ça, mais ça donne quand même vachement de comment dire, de possibilités.
chaque type de câble. Si je vais un peu plus loin. Je peux bien sûr changer mon amp. Donc ça donne pas mal de trucs. Là, j'ai une pédale de un petit drive. Plus ou moins de gain, changer de col, le volume, etc. Donc déjà par rapport à ça, ça laisse vachement de possibilités. Si vous partez avec un son comme ça, que vous voulez rajouter un effet de reverb par exemple. Mix. Ok, donc voilà, etc., etc. Je pense que vous avez vu que le principe est assez simple. We'll be right back.
Thank you.